À seulement 23 ans, Zora est championne d'escrime, étudiante à la Sorbonne et conseillère municipale à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Et cet été, elle représentera l'Algérie pour les Jeux Olympiques de Paris. Et à un mois de la compétition, elle a suivi son quotidien très chargé. Il est 10h15, on va s'entraîner. On a le pantalon, les chaussettes, le plastron, la sous-cuirasse. Et là, tu arrives à la veste. Première veste, je vais passer le fil de corps en dessous de la veste électrique. Cette année, je participe aux Jeux Olympiques en individuel et par équipe. Et ça, c'est la plus grosse fierté pour moi. Et depuis 2018, je fais partie de l'équipe nationale d'Algérie. Je voulais représenter l'Algérie du coup, pour ma grand-mère et à la fois pour faire plaisir à mes origines, à rendre fière aussi le fait que j'ai cette double culture, double origine. Alors, deuxième étape de la journée, on va à la péniche. C'est du coup un bateau là où je fais mes soins et ma prépa physique. Je descends d'une famille de combattantes algériennes chez les femmes. Donc c'est encore plus un symbole pour moi de représenter l'Algérie. Je pense que c'est une plus grosse fierté de me dire que j'ai eu ce courage de représenter le pays de mes origines, vu le contexte politique en ce moment actuel où on est en France. C'est que le début. Quand tu veux, c'est parti. Pousse, et tu tires. Pousse, tire-toi. Pousse, la main. Pousse, pousse. C'est un petit temps court où je me relaxe pour repartir à Bagnolet. Annulée parce que je suis élue municipale chargée de la petite enfance, donc là on se rend en crèche. En fait, je suis contente, à la fois ça me fait trop rire de me voir, tu vois, d'être face à moi-même. Et là on va en mairie. J'ai toujours grandi ici, donc c'était important pour moi, ça me tenait à cœur de contribuer à aider la population bagnoletaise quand même. Tu peux venir des quartiers populaires, entre guillemets, tu vois, et devenir de la Seine-Saint-Denis et réussir totalement tout ton parcours. C'est ça qui m'a un peu poussée à rentrer dans la politique. Bonsoir. Salut Zora. La première délibération, c'est la convention de partenariat, ça correspond au projet Girardeau qu'on a inauguré. C'est bon. Alors, il est 19h32. On est en fin de journée, c'est fini. Je rentre chez moi. Allez! Et si vous voulez retrouver Zora aux Jeux Olympiques, elle tirera le 29 juillet en individuel et le 3 août par équipe.